Ok, c'est S. Ah, il n'y avait pas de son pour... Ah si, si, ok, c'est S. Vitesse de texte 3. Animation combat 8. Sur des combats définis, S. Augmente pas. Ah ben, faut ça, augmente, augmente pas, augmente, augmente pas. Enfin bref, on va partir. Du coup, faut faire le glitch de Miyu. Le glitch de Miyu, je sais plus c'est lequel. Je sais plus, ben ça fait super longtemps que j'ai pas joué, enfin... Je connais toujours le jeu par cœur, tu vois, mais tu me diras le glitch de Miyu. Je connais la version officielle pour Miyu, le glitch je sais plus. Ouais, en plus c'est pas pour maintenant de toute façon. Hein. Alors, bienvenue dans le monde magique des Pokémon, blablabla, Professeur Chen. Voilà, souvent les gens m'appellent le prof Pokémon, blablabla. Alors, oui, d'ailleurs je sais pas pourquoi c'était un Nidoran qui était le premier Pokémon présenté. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, petite anecdote, le premier Pokémon qui était dessiné, c'était Rhinophéros. C'est le premier Pokémon qui a été créé au monde, il me semble. Je suis quasiment sûr que c'était lui. Ce peuple est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Voilà, avec son cri, certains des Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Alors, ah oui, mais oui, vu que je suis en Pokémon Blue, du coup c'est Blue son nom. Ouais, bon, on va mettre Blue. Hein. Salam Master. Ouais, c'est Rhinophéros, c'est ça. D'ailleurs, Pokémon, une grande partie de mon enfance. Hein. Enfin, une grande partie, je pense, de l'enfance de beaucoup de joueurs de jeux vidéo, de toute façon. Mais Pokémon Blue, c'est vraiment un jeu de ma vie. Régis, ce sale con. Bon, on va l'appeler Red, du coup, vu qu'on a inversé les versions, mais... Son nom est Red. Blue, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventure et de Pokémon t'attend, c'est dingue. Voilà. Ok. Ok, donc là, il me semble que c'était une Super Nintendo, tout court. Super Nintendo, ok. Super Nintendo. Là, c'est le lit random, on peut rien faire. Ça c'est le PC. Retire objet. Hop. Ça c'est ceux qui connaissent le jeu. Hein. En fait tu viens, tu retires l'objet et t'as pas de problème. Ah, d'ailleurs c'est quoi le la touche du coup pour dévalider. Enfin dévalider, vous m'avez compris. Ah c'est Z, ok. Donc c'est ZS les touches. Je peux les changer? Je crois pas, hein. Non c'est ZS, ok. Ouais ça fait bizarre de voir Red s'appeler Blue. Hein. Alors tu prends qui en starter? Écoute, non, c'est pas vous qui choisissez le starter. Hein. Vous choisissez les Pokémon qu'on va capturer dans l'aventure, mais vous choisissez pas le starter. Ici, on n'est pas des oulettes. Il y a un starter prédéfini pour la version bleue, c'est le starter qu'on prend. Je sais plus s'il y avait des trucs. Ah oui, c'était le truc, ouais, sur Dragon Ball là. Bon, il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison, c'est la vie. La meuf, elle savait déjà que c'était le jour où tu partais, tu vois. Au moins de la vitesse des dialogues. Il me semble que je suis en 3. Hein. Attends. Ouais, je suis en 3, je peux pas augmenter plus que ça. Ah non, je prends pas ça à la mèche, hein. Ça à la mèche, c'est le Pokémon d'arabe. Bulbizarre, c'est le Pokémon des oulettes. Attends, si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, non. Ouais, Bulbizarre, c'est le Pokémon des oulettes. Fallait faire ce que je t'ai dit et mettre les Pokémon en total random. Mais je sais même plus comment en prendre. Je prends pas Bulbizarre, c'est un Pokémon des oulettes. Non, en fait, la potion que j'ai prise là, c'est une potion qui te sert au cas où le rival il te dégomme. Enfin, en fait, le premier match contre le rival, juste après avoir choisi les Pokémon, c'est full random. Du coup, il peut te mettre 3 fois gros yeux, ce qui te permettra de le tuer. Comme il peut te mettre 5 fois charge et il te tuera. Du coup, s'il y a une attaque qui rate ou quoi, t'as une potion en cas de. Voilà. Mais ça, il faut connaître un peu le jeu, tu vois. C'est des techniques avancées des joueurs de l'Evo. Pokémon bleu, putain, ça me rappelle le souvenir à mon frère. En fait, je me souviens que J'avais effacé la sauvegarde de mon frère parce que j'étais tout petit à l'époque, je savais pas c'était quoi les sauvegardes en fait. Donc j'avais recommencé en fait le jeu et j'avais sauvegardé alors que mon frère il était genre à la limite de finir le jeu pour la première fois. Il m'avait soulevé de fou. Ouais, Bulbizarre c'est le starter de l'anime, mais c'est pas un problème. Mais ils sont dans la Pokéball, ouais, les plus jeunes, j'étais un sacré dresseur, blablabla, chaîne. Il me reste plus que 3. Putain, le mec il a perdu tous les Pokémon qu'il avait capturés quoi. Le rival qui est toujours là en counter pick pour prendre le deuxième Pokéball, c'est-à-dire celui que tu ne prends pas, enfin celui qui du coup te counter entre griffes. Ce jeu qui m'a appris à lire, hein, pareil.
Allez, carapuce, on est parti. Son dos durcit avec l'âge et il devient une super carapace. Il peut cracher des jets d'écume. C'est lui le Pokémon qu'on va prendre. Ouais, Pikachu. Non, mais Pikachu, le starter de l'anime. En fait, en deuxième Pokémon, Sacha, il prend Bulbizarre, il me semble. De tous les des trois Pokémon du starter, le premier Pokémon que Sacha prend, c'est Bulbizarre de tête. Alors, Carapuce, on lui donne pas le surnom. Et c'est à partir de là maintenant que vous pouvez commencer à choisir les Pokémon qu'on va capturer. Par contre, on aura quand même besoin d'un Roucoule, je pense, pour avoir vol pendant un moment. Sachant que de toute façon, Roucarnage est plus fort que Piafabec dans cette version, il me semble. Enfin, tout le temps, même, de toute façon. Ok, donc, Régis Lazulette qui va vouloir faire un combat. Voilà lequel des Pokémon est plus fort. Ferro-Singe. Ferro-Singe, à quelle ville déjà pour capturer cette merde? Ouais, Rattata. Hein. Il a demandé à Rattata déjà. Tiens, c'est vraiment un Pokémon de Zulette, Rattata. Je sais plus si on peut prendre Pikachu dans la version bleue, quoi que. Je sais plus. Ok, allez, charge. Forcément, c'est lui qui attaque en premier. Nosferati, qu'est-ce que je vais foutre avec Nosferati? Bizarre. Coup critique en plus, hein. Forcément. Ah, les vrais jeux, hein. Les jeux du tour par tour à l'ancienne! Oh, normalement, là, je le dégage. Hein. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire avec Abra? Ouais, Rapace de pique, il se fait soulever par Ocarnage, on est d'accord. Il se fait totalement soulever par Ocarnage. Prends un Nidorant et refait. Il apprend quasi tout. Ouais, après, Pokémon, il a zéro flow, quoi. Et il sert à rien, en plus. Nidorant, tu vas faire quoi, un Nidoking à la fin du jeu? Mais attends, MMO ça marche comment? C'est Pokémon online ou c'est tu peux faire l'aventure du jeu? Parce que moi là je cherche à faire l'aventure du jeu, donc c'est un peu différent. Ouais, Kadabra c'est un boss par contre. À la Kazam surtout. Yo Martin. J'ai pas pris le bon Pokémon. Bien sûr. Il prend le meilleur counter et il se fait soulever. Mais comment tu peux faire l'aventure online? C'est l'aventure de Pokémon, mais en online. Donc là, en fait, vous voulez que j'aille vraiment sur Pokémon O. Sachant que Pokémon Bleu, c'est le vrai jeu. En plus, vous avez déjà fini le jeu, du coup, ça sert à rien parce que... Nidoking, il soulève rien du tout, hein. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, Pokémon Bleu, la version normale. Et on fera Pokémon Or en Pokémon MMO, peut-être. Il me semble que c'est elle qui me donne la carte, non? Ouais, voilà. Ah, mais c'est pas elle qui me donne la carte? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est elle dans cette version, non? What the fuck? Ah, d'accord, c'est ça pour... Okay. Attends, mais ça, c'est entrée, en fait. Non, ok. Ouais, voilà, les musiques de base et tout. Ouais, mais... Yo, Darkio. Ok, bon. Je sais plus. Je croyais que c'était elle qui me donnait la carte, mais... Ouais, normalement, c'est elle. Hein. Faut que je soulève d'abord un mec avant, je pense. Bon, du coup, vous voulez qu'on capture... Mais, hein, mais je suis obligé d'aller de toute façon jusqu'à... Jusqu'à la première ville pour pouvoir avoir les Pokéballs en fait. Je viens de me rappeler. Je vais aller. Je crois que je vais dans le magasin. Ensuite, il y a une embrouille au magasin. Roucoule! Les vrais Pokémon. Ouais, après, c'est le coulis du prof, c'est ça? Ah, les jeux à l'ancienne, hein. Level 3. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer un Pokémon par entre griffes herbe. Du coup, ça va être soit Roucoule, soit Rattata. Dans la logique, on devrait prendre Roucoule pour vol, mais bon, j'écouterai ce que vous direz. Alors, je sais qu'il y a Régis en haut à droite. Donc, c'est pas pour maintenant. Voilà, il va me livrer des Pokéballs.
On va essayer de pas tricher d'ailleurs, c'est-à-dire de faire le jeu normalement. Genre, on va pas tricher sur les sauvegardes en fait. Du coup, ça va être un peu compliqué. Genre, on va vraiment sauvegarder et revenir avec les sauvegardes du jeu en fait. T'aurais carrément dû faire un Nuzlocke. C'est quoi un Nuzlocke? Moi, je connais la version originelle du jeu, hein, c'est-à-dire la vraie version où tous les cheat codes et compagnie, c'est pas pour moi. Hein. Ah oui, en plus, en passant à gauche, je peux éviter tous les combats. Je crois que... Non. Ah oui, non, il y a cette arbre là que... Ah bah si, tu peux. On a la droite. Des bons souvenirs. Ouais, non, en fait, c'est droite. Et là. Mais celui-là, tu peux pas. Alors, professeur Chen. Faut pas que j'avance trop. Faut que je combatte Régis. Attends. Oui, j'ai quelque chose à te donner. Le colis de Chen. Attends, c'est quoi un Nuzlocke? Un Pokémon de Mikao, mais je le réussis pas, mais comment je fais pour finir le jeu? C'est impossible. Parce que du coup, ça veut dire que si j'ai une équipe, si un de mes Pokémon meurt, je l'ai plus du tout, du coup ça fait que genre j'ai plus de Pokémon niveau 50 par exemple, c'est impossible. Pokédex, voilà, blablabla. Ah mais en fait j'ai rien à installer sur mon PC, Nuzlocke c'est juste les règles du jeu quoi. Je suis trop vieux maintenant, c'est pourquoi, blablabla, on termine ton travail. En plus il me semble dans cette version, non dans cette version c'est sûr même on peut pas courir. Attends, un Pokémon par route, par zone? Attends, je vais regarder, mais je vous promets rien, parce que vos trucs bizarres qui vont faire qu'on va jamais finir le let's play, là. C'est des trucs bizarres, ça. Désolé. Alors, Nuzlocke. Oula. Alors, les règles de base. Un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme mort de blé utilisé. Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque zone entière. Celui-ci est mis KO. Si celui-ci est mis KO ou si le joueur fuit, il n'aura pas de seconde chance. Une exception est faite pour certains jeux Pokémon où les premières routes sont visées. Avant l'obtention des Pokémon, bah oui, forcément pour Pokémon Blue et compagnie. Bien que ce ne soit pas des règles définies au Nuzlocke Challenge, le consensus est un règle optionnelle. Mais après, ouais, il y a 10 milliards de règles optionnelles, genre c'est impossible que je fasse tout ça, je pourrais même pas retenir tout ça. T'as le droit de pas capturer un Pokémon s'il l'a en deux. Enfin, à la limite, ce serait marrant, mais pas avec toutes les règles optionnelles. Genre, si vous voulez, on fait un Nuzlocke, mais juste avec les deux règles, c'est-à-dire. Un Pokémon KO est mort et on capture un seul Pokémon par route. Ça, c'est si ça vous va. Mais tout le reste des règles optionnelles, il y en a 18 000. Je peux pas empêcher les Pokémon d'évoluer. Comme on dit, ça a pas de sens. J'ai besoin de Spectrum, moi. Attends, mais non, mais ça veut dire que j'aurai jamais Spectrum. Parce que si jamais je rentre et que j'ai pas. Non, mais c'est mort. Si jamais je rentre dans la tour et que j'ai pas un Fantominus directement, je pourrais pas avoir de Spectrum. Ok, donc en fait... De pas t'en donner une... Alors, il est vraiment tout mort, Régis. Vraiment une zoulette. Ok... Voilà, elle m'a donné la carte. Donc... Ok, donc ce qu'on fait, c'est que... Un Pokémon mort ne peut plus être utilisé. Ouais, d'accord. Non, à chaque mort, je retire pas un vêtement, vraiment pas. Un Pokémon mort ne peut plus être utilisé. Par contre, les Pokémon capturés, c'est vous qui allez les choisir. Donc ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Et les surnoms des Pokémon, c'est vous qui les choisissez aussi. Bon, alors on va pas capturer tout de suite. Hein. Enfin, si, on va revenir capturer, je voulais juste prendre du niveau. Je crois qu'il me semble que si je passe level 8... Ouais, non, level 8 encore, ça va, parce que je peux capturer des Rookool juste en haut, en fait. En fait, je crois qu'il y a Régis juste à gauche. Faut que j'aille le soulever. En plus, il me semble qu'il y a un œuf. Il y a un œuf invisible sur la route juste à gauche, là. À côté des herbes où il y a les nids d'orang et tout, là. Du coup, faudrait que j'aille le chercher et soulever Régis. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut capturer quelques Pokémon et s'entraîner un peu.
Je crois que normalement son Pokémon va être level 11 de tête. Patata. Un sorcier m'a dit que les temps seront courts de vie. Donc déjà, faut vous décider dans le chat là, c'est Rattata ou c'est Roucoule? Rattata ou Roucoule le chat? Férosinge. Non mais, Férosinge, je vais le prendre quand même, mais... Level 8? Putain, pourquoi j'avais 11 dans la tête? Il a 3 Pokémon, il me semble. Il a un Nidoran, il a son Pokémon de base et je sais plus quoi. Je crois qu'il a un Roucoule aussi. Roucoule plus utile, on est d'accord. Ah, après, c'est vous qui choisissez, hein. Vous n'êtes pas obligé de choisir pour l'utilité. C'est vraiment, je sais pas, Pokémon que vous voulez voir ou... Par contre, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que... Attends, je vais soigner d'abord Carapuce pour pas qu'il meure. Voilà, on est d'accord. Roucarnage, c'est la base des Let's Play sur Pokémon Bleu. Ok, merci. Ça, c'est l'une de mes musiques préférées de tout jeu vidéo confondu. Le Poké Center. Ah, il a que 2 Pokémon à ce level-là? Mais quand vous dites un Pokémon par zone, vous voulez dire que... Genre, regardez. Ah ouais, donc en fait, quand vous dites par zone, vous voulez dire Jadiel entier. Non, en fait, je dois choisir entre Ferrosinge et Roucoule, c'est ça? Parce que si c'est ça, c'est vraiment de la merde pour le coup. Enfin, c'est de la merde, je le ferai quand même, mais... Parce que là, pour moi, ça, c'est une zone. Du coup, ça fait Roucoule ici. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Roucoule ici et Ferrosinge juste à côté. En plus, il me semble qu'il me soulève dès que j'arrive à côté de chez lui. Non, par ville et par route, ouais, on est d'accord, ok. Putain, je les remets tellement mal. Par contre, j'ai pas de Pokéball, il me semble. Ok, tant que c'est pas la même route. Ouais, en fait, je me disais que le nom de Rattata était un peu... Mais on prend Roucoule ici ou on le prend tout en haut quand il sera à level 8 là? Enfin, parce que juste en haut, avant d'arriver dans la forêt de Safari, en fait, il y a des Roucoules plus haut level. Je crois qu'ils sont level 6 ou 7, je sais plus. Du coup, soit on en prend un level 3 ici et du coup, on va devoir le monter nous-mêmes, soit... Putain, la reine de pierre, on va la dégommer. Écume. Ok. Normalement, c'est suffisant, hein. J'avais juste besoin de ça. Ah oui, c'est le premier Pokémon rencontré de la zone. Non, mais non, on a dit que c'était vous qui choisissiez. La seule règle du truc qu'on fait, c'est que une fois qu'un Pokémon est mort, il est au Pokédex. Enfin, il est. On le supprime directement de la team, quoi. Mais tout le reste, c'est la seule règle qu'on fait, en fait. Le reste, c'est vous qui choisissez les Pokémon qu'on capture. Bah, il est toujours avec 5 Pokémon. Et prendre des antidotes pour la forêt. Tintin, y a pas de potion. Oula, qu'est-ce que je vais foutre avec un petit bruit. Donc le Roucoule, on le prend plus haut ou ici? Et d'ailleurs, c'est quoi son surnom à Roucoule? On l'appelle comment? Ouais, Steven. Ouais, j'ai capturé sa grosse mère à Roucoule là. S'il meurt pas de ça. S'il est pas assez fort pour survivre à ça, il a pas à être dans mon équipe. Ok. Plus je me souviens, à l'ancienne, on disait que quand tu maintenais en bas B, t'avais plus de chances de capturer un Pokémon avec ta Pokéball. Je sais plus si c'est vrai ou faux. Alors, il est souvent dans les forêts, il brasse l'air de ses ailes près du sol pour jeter du projet du sable. Ouais, c'est vrai qu'il a jeté du sable, ce con. Le nom de Roucoule. Le premier qui met un nom, on l'appelle comme ça. Hein. Le nom du Roucoule. Tintin.
Item. Appelle le Mirko. Bon, je mets le premier nom qui a été dit dans le chat, du coup... Vous savez quoi? Attendez. Il est où HABCDEFGH? Je mets le premier nom qu'on m'a dit, hein. Item, j'espère que tu vas pas mourir sur la route, hein. Parce que le Pokémon qui meurt, il est supprimé de l'équipe, du coup... Putain, mais mon Spectrum, il va jamais mourir, hein. Chaque fois qu'il va être sur le point de mourir, je vais switch. Attends, mais au conseil des... Mais c'est pas possible! C'est impossible, parce que ça veut dire que je vais devoir faire le conseil des 5. Je dois faire le conseil des 5 avec... avec... Mais non, mais mes Pokémon vont forcément mourir. Vu que normalement, tu dis ils meurent et tu les rappelles, en fait. Ouais, ça va être compliqué, on va voir. Bon, on va aller soulever... On va soulever la mer à un truc là, lui on va le mettre level 6, après on va soulever la mer à Régis là. C'est la vraie musique. Putain mais... Ouais c'est ça, faut gérer les potions. Par contre je crois que Rattata il va me dégommer hein. Item va-t-il mourir dès son premier combat? S'il prend coup critique tout à l'heure il meurt hein. S'il prend un coup critique sur la prochaine attaque, il est mort. Hein. Ah ben la chatte. Il a failli mourir dès son premier combat. Hein. Non mais je vais pas passer mes Pokémon level 100, mon frère. Faut que j'aille le multi XP rapidement. Hein. Ça va se faire soulever sale par le Onyx, je sens ça. Jamais il va tenir jusqu'à Azuria un item, c'est mort. Je suis déjà obligé de counterpick Carapuce pour voir l'XP. Il est faible de ouf. Ouais, mais mon frère, c'est pour gagner 7 points d'expérience. Vas-y, autant je le soigne et je reviens à chaque fois. Hein. 7 points d'expérience, il va jamais XP. Bon, on met 5 minutes d'XP sur ce coin d'item. Après, on va soulever Blue là. Mais ça veut dire qu'en gros, si là tout de suite je vais me taper contre Blue en fait, et que mes deux Pokémon se font dégommer, les deux sont morts. Donc, vu que je peux plus utiliser les deux, je fais comment pour capturer d'autres Pokémon? PJ. En plus, je suis énervé, mon Pokémon Go il marche pas là. Le club des dresseurs est buggé actuellement. Enfin, il est plein. Ouais, voilà. En fait, si je fais ça, j'ai juste perdu le défi. Ouais. Bon bah on va pas perdre le défi. Ah d'accord. Non mais tranquille, c'est... Pokémon bleu c'est mon jeu. Je connais le jeu par cœur, on va pas perdre le défi. Là en gros on fait quoi? On met ce Pokémon de merde là level 6. On met Carapuce level 9. Ensuite on va on soulève bah Blue pour le coup. Enfin Red pour le coup vu que j'ai inversé les noms. Mais je suis con, j'aurais dû juste mettre... Choisir mon nom, je m'appelais Red. Et je mettais l'autre s'appelait Blue, choisir son nom aussi, je suis con. Item qui va peut-être succomber. Item en match miroir. S'il prend coup critique, il est mort. S'il prend coup critique, il est mort. S'il prend coup critique, il est mort. Ha! Putain, il est grave faible. On joue avec le feu là. Ça suffit pour le tuer. Bah j'aurais dû mettre le cul. Ah quand je vais recevoir... En fait, je m'en battrai les couilles, sauf quand je vais recevoir des coups critiques sur mon Spectrum là, ça va partir en couille. Mais c'est pour ça que Spectrum c'est un bon Pokémon, parce que comme il est Spectre Poison,
Dans cette version, y a pas tant de Pokémon que ça qui lui. Enfin, qui lui pose beaucoup de problèmes, quoi. C'est pour ça que beaucoup de gens sont fans de justement de Fantomini, Spectrum et Ectoplasma. C'est parce que dans cette version-là, c'était super fort. Je sais pas s'ils le sont toujours. T'as un item, il nous ralentit là. T'as, il me faut le multi-XP là. C'est là pour Match Mirror contre des Rukul level 4 et il se fait soulever quand même, mon frère. Avec une seule attaque. Mais après chaque combat, je vais devoir aller le soigner en fait, c'est chaud. Ah oui, ici on pouvait pas voir la barre d'XP en plus. J'ai de sable. Avec le placement interdit, c'est un bon Pokémon. Bon, là je pense qu'on le soigne une fois et c'est bon parce que comme il est level 5, il va pas prendre si cher en fait contre les Pokémon du bas. Du coup, comme il est level 5, il va pas prendre si cher contre les Pokémon du bas. Et on aura juste à le. À lui mettre une potion une fois, même si j'en ai pas envie. Pour passer level 6 sans. Ah ouais, il est dopé sa mère avec le plasma. C'est un bon Pokémon. En 6ème génération. Putain, il y a tellement de générations de Pokémon maintenant. Bon, normalement 3-4 combats, c'est bon pour item. Item, t'as vraiment donné ton nom à un Pokémon assez mort. Hein. Bon, j'avoue que moi je valide Papillusion, mais. Papillusion, c'est le sort. 2-3 combats, je pense que c'est bon. Si on prend en compte le fait que Blue c'est un ordinateur et qu'il joue n'importe comment, il va forcément faire des attaques Mimikyu ou quoi. Du coup, même si on n'a pas exactement le même level que lui, on devrait quand même le soulever. La technique, ça va être en fait de mettre Carapuce en 1 pour soulever son Rukul. Ensuite, il va Counterpick et je vais Counterpick aussi. Comme ça, on est bien. Ah, level 6, c'est bon. C'est pas si long en fait. Vas-y, on va essayer de le mettre level 7. S'il est sur le point de mourir ensuite direct. Ça m'a l'air bon. Pouf, putain, tout ça pour aller soulever Régis. Même les villes vont aller plus vite que ça, quoi. Le début, c'est trop lent. Ah, les vrais dégâts. Mimikyu. Le beau jeu. D'ailleurs, l'année passée, j'avais codé un Pokémon pour mes partiels de fin d'année. Je sais pas si. Ouais, j'ai encore le jeu sur mon PC, mais j'ai pas les. Enfin, je vous montrerai après un jour. À la fin du let's play, je vous montrerai le Pokémon que j'avais fait. J'avais fait une zone entière et tout avec des Pokémon à capturer. Bien sûr, c'était bourré de Spectrum! Je trouvais des Spectrums dans les herbes et tout. Ok! Combien de. 3 combats pour passer les recettes? Du coup 4 combats pour Carapuce je pense. Avec l'XP qu'il a pris en plus avec avec Rukul. Beaucoup critique. Oula, faut critique aussi. Ça rend les coups. Nice. C'est bon. De thèse, ils évoluent au level. Ouais, ils évoluent au level 16. C'est level 16, level 36, je crois. Ou 34. Voilà, on est bon. La musique est gotcha, hein. Moi, ouais, je le dirais jamais assez, la musique de Pokécentre, c'est tellement la musique de ma vie. Écume. C'est dommage de one-shot pas. En même temps, il va rien me donner comme XP, lui il est level 2. Waouh, sérieusement? Bien sûr que j'ai un carapuce. Bien sûr que j'ai un carapuce. Qu'est-ce que tu pensais que j'avais? Ah, bien sûr, tu croyais que j'allais prendre.
leur bêtise de Dracaufeu et trucs là. Et Bulbizarre là. Bulbizarre, Zoulette Infinie. Dracaufeu, surcoté sa race. Surcoté de fou! Salement surcoté. J'imagine Régis me met une attaque monstrueuse et tout mon Pokémon se fait one shot. Non, Bulbizarre c'est une zoulette. Pourquoi je t'en queue contre des Rattata level 2 mon frère? Je veux juste XP! Allez, moi level 9 là, qu'on avance dans l'aventure. Plus avec le level que j'ai, je vais soulever vite les Pokémon. Enfin, les dresseurs de la forêt de Jade là. Mais généralement, quand tu soulèves Régis avant de partir, tu soulèves tout le temps les dresseurs de la forêt de Jade. Facilement quoi. Tiens, enfin là, 18 000 de combat pour. Ok, nice. Ok, crapiste, c'est bon. On est parti. Bon, on va soulever la première fois le plaisantin là. Le rigolo là. Bien sûr, on va sauvegarder en bombe. Parce qu'on a dit qu'on trichait pas sur les sauvegardes. T'as augmenté quoi? Mon overlay avec Hero. Tu sais que j'ai pas d'overlay, hein, c'est full random. Hein. Si tu veux m'en faire. Non, j'ai pas augmenté la vitesse du jeu. Je pense que je peux pas, hein. Enfin, Game Boy Advance, pardon, je peux, mais là je suis sur un émulateur que j'ai pas en fait. Enfin, je l'ai jamais utilisé avant. Je sais pas, je pense pas que je peux. Non, non, je peux pas. Je peux juste augmenter la vitesse du texte. Ou alors il y a une touche, mais. Mais je peux pas. C'est. Pour ça, il faut une Game Boy Advance, je crois. Là, j'ai pas. Enfin. C'est sur GBA que je peux faire ça. Là, j'ai pris. Là c'est pas augmenté hein. La vitesse elle va augmenter là. Je crois que c'est lui là qui donne. Lui il donne des vos rêves je crois. Donc on reviendra le voir. Ah oui mais il y a. Il y a un truc là. Il y a. Normalement il y a un. Ouais voilà potion. Il y a une potion ici. Ok nice. Bon. On va soulever la mer à un truc là. Je sais plus s'il est vers le bas ou vers le haut. Je crois qu'il est vers le haut. Waouh, sérieux? Bon, vas-y, comme il est sur notre chemin, on le dégomme. T'es à m'enlever. Ah, rugissement, parfait. J'allais dire, il va m'enlever de la vie alors que je dois me battre, mais ça va. Je pense que je vais le tuer quand même. Ouais, nice. Ouais, il y a des colossins. Non, il y a des ferro-singes. On va les prendre, t'inquiète. Voilà, et là, il y a. Non. Voilà, parfait. Tu vas à la ligue Pokémon? Laisse tomber, c'est trop minable. Il te faut des badges. Si tu veux, je suis prêt à exploser tes Pokémon. Vas-y, hein. Les dimensions du jeu. Mais c'est ben non, mais tu peux mettre n'importe les dimensions en fait, parce que c'est moi qui peux. Je peux. Comment dire, grandir ou fermer par rapport à mon logiciel Twitch. Donc c'est comme je veux en fait. Tu me fais juste un truc en 1280 et puis après je fais rentrer les trucs quand même. Roucoule level 9. Ouais voilà, il va commencer à lancer jet de sable, je vais rater mes attaques. Ouais forcément. Perso de fils de pute. Et forcément il attaque avant moi, du coup Oh non, ah, il va peut-être me baiser en fait. Sur ma vie qu'il peut me baiser hein. Parce que s'il joue bien et. Waouh, mais en fait je fais pas de dégâts. Attends, on va voir, peut-être avec de la chance, peut-être que Charge lui fait plus de dégâts. C'était pas prévu ça. Non, en fait, j'ai spammé écume. On va se débrouiller avec ça. Putain, je vais plus avoir de. Non, mais je peux pas switch maintenant. Par contre, si je switch. Je sais pas. Ouh, ça part en couille. En fait, je pensais pas qu'il allait faire jet de sable. Genre, je pensais qu'il allait. Ouais, mais en fait, il a pas mis IQ en plus, Roucoule. Je suis grave dans le mal. Non mais en fait j'ai un plan, vous inquiétez pas. Faut juste que je touche quelques attaques. Ah, ouais.
Attendez. Là, normalement, il fait pas de coup critique. Ok. Ok, ok, nice. Ok. Ok, ok. Nice. Ok. Voilà. Carapuce, par contre, j'ai besoin que tu réussisses ta prochaine attaque. Fils de pute. Il m'enlève combien? 6, donc coup critique. Carapuce! Nice. Sick! Ah, ça va être bordel! En plus, l'enculé. Ouais, non, mais non. Non, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Je crois qu'on va perdre Carapuce. Waouh, mais vous vous foutez de moi. Coup critique, hein. Ok. On va tester le truc. On va tester le truc. Non, en vrai. En vrai. Non, non, mais en fait, j'allais le soulever, mais je pensais pas qu'il allait utiliser jet de sable. Nice, coup critique. Ça va pas me sauver, ça va pas me sauver, ça va pas me sauver. Vous savez, j'avais peur. Oh, mais en vrai. Attendez. En vrai, là, on a plusieurs solutions. Mais je pense en fait toutes les solutions que j'ai marchent pas. Ah, non mais je pensais pas qu'il utilisait le sable. En fait là tout de suite. Ouais, c'est super efficace. Ouais, mais je suis obligé de prier. En fait ce qu'on va faire. En fait, je réfléchis. Si je mets Vas-y. Oh. Vas-y, quitte à ce que quelqu'un meure en premier, on va faire mourir item en premier. En fait, on va faire jet de sable, on va faire tournage et si. Oh là là. Combien je perds? Non, avec de la chance. On va perdre un Pokémon. C'est sûr et certain, on perd un Pokémon. Si la prochaine attaque n'est pas charge, on peut gagner. Si la prochaine attaque n'est pas charge. Fils de pute. Ah, le fils de pute. Non mais en fait si j'avais critique deux fois je l'aurais tué. Enfin non, je l'aurais pas tué deux fois en coup critique. Mais je l'aurais tué deux fois si j'avais critique, tu vois. Enfin, j'aurais mis deux critiques. Je l'aurais tué si tu préfères. Je suis débordé. Mais j'ai plus de potions. En fait, de base, je pensais que il avait Roucoule en deuxième. Ouais, non mais... Ah, tornade. En fait, moi, je pensais qu'il avait Roucoule en deuxième et vous m'avez rien dit sur le chat. En plus, je peux même pas spammer l'écume sur lui. Bon, on prie pour avoir un coup critique Sama qui one-shot. Yes. Oh, ça arrive, ma mère. Non, jamais ça va faire 3 fois rugissement. Oh, j'ai... Oh, c'est déjà 2. Oh, oui. C'est qui le boss ici? C'est qui le boss? Dites-moi que je suis pas un génie, là. C'était planifié? C'était prévu, ce truc. C'était prévu. Génie du début à la fin. Pokémon bleu, je le connais par cœur. Pokémon bleu, c'est mon jeu. Voilà. En fait, il fallait que je reste 5 minutes à réfléchir sur le changement de Pokémon pour que ça fasse un bug dans le jeu, pour qu'il y ait deux fois mis... Non mais c'était prévu. C'était pour animer un peu le chat, parce que faut animer un peu, mais sinon en vrai je savais déjà que j'ai gagné. Mais par contre, on a un problème plus compliqué. On a un problème un peu plus compliqué,
C'est comment à faire pour repartir en vie avec Carapuce? Est-ce que je peux fuir chaque combat et... Est-ce qu'on peut traverser ça sans aucun combat?